Dans le cadre de deux matchs amicaux, le Brésil gagne pour jouer pour trêve internationale pour le mois de mars 2024. Eh bien, il joue premier face à l'équipe anglaise. Eh bien, à Wembley, justement, Brésil qui bat 1-0 grâce avec un goal de jeune pépite brésilienne qui c'est Hendrick. Deux sélections qui a préparé deux compétitions majeures pour été 2024. Là. Brésil qui a préparé Copa América 2024 et la sélection anglaise de football qui a préparé la Coupe d'Europe 2024 qui a fait dans le pays à l'Allemagne. Justement, eh bien, grâce avec Hendrick sous strict minimum, là, Brésil gagne 1-0 fanatique football. Pendant qu'il était 100 jours pour Euro en Allemagne, eh bien, Angleterre qui a poursuivi le Brésil à Wembley, Jacques nous dit auparavant, eh bien, c'est une rencontre amicale, mais qui a pratiquement gagné des enjeux majeurs. Pour une sélection, tant une sélection anglaise, là, qui pourra gagner en pile ambition pour décrocher un titre, parce que l'Angleterre n'est pas champion depuis en 1966. Eh bien, et sélection anglaise là qui pas de gain Harry Kane, qui pas de gain tout à Cole Palmer, qui pas de gain Bukayo Osaka ou encore Jordan Henderson. Eh bien, sélection anglaise là t'es profité compter sur l'autre jeune effectif là qui est très important aussi, à savoir Jude Bellingham ou encore Phil Foden qui a évolué en de équipe Manchester City. Et un compte amical qui était vraiment animé dans le commencement, surtout avec l'équipe anglaise là, avec un coup franc excentré de Phil Foden, et bien frappe joué Manchester City, qui d'abord est pratiquement flitté avec poteau du goalkeeper brésilien Bento à la troisième minute de jeu. Un début rencontre qui était relativement animé. Le Brésil a pu riposter très rapide par intermédiaire de Rodrigo avec une frappe à ras de terre, mais qui était finalement capté par Jordan Pickford, qui s'est goalkeeper sélection anglaise à la 9e minute de jeu. Brésil te répond. Brésil était capable d'ouvrir ce score surtout avec une défense qui a pu abandonner Portier Vetton, et bien là qui était tout proche pour te concéder ouverture score. Mais t'as pas gagné Kai Walker pour l'équipe Angleterre qui t'a pas repoussé en tentative de Vinicius Junior sous ligne à la 11e minute de jeu. Mais ça que t'as pas paraît te dire, c'est que Kai Walker t'a pas sorti sous blessure 10 minutes plus tard. Et bien là, tous deux équipes ont fait des tentatives. Et faut nous dit un fanatique avec Declan Rice, qui se joue Arsenal, qui a mis les forces brésiliennes en difficulté à la 22e minute de jeu. D'abord, il y a tout Watkins, qui se joue Aston Villa à la 31e minute de jeu. Mais faut nous dit Brésil avec un bon relais de Lucas Paquetá. Monsieur trouve que il y a un bon parti dans le match de football, il était bon en pile. Mais monsieur était un peu fait trop faute aussi. Mais faut nous dire, après un bon relais de Lucas Paquetá, Rodrigo lui-même t'a pas fait une frappe, mais malheureusement, qui pas de poté fruit à la 33e minute du jeu. Brésil a continué à créer danger, surtout avec Rafinha, et bien là, qui t'a pas profité d'une erreur de Harry Maguire, mais malheureusement, frappe de Rafinha, les pas de cadré, c'était à la 45e minute du jeu. Au retour des vestiaires, c'était pratiquement deux équipes retournées sous même base là avec Anthony Gordon qui d'abord mis pression sur la sélection brésilienne de football avec une frappe puissante qui d'abord repoussé par Bento. L'autre côté pour la sélection anglaise de football pour Alguien Stones qui s'est joué Manchester City. Monsieur lui-même qui d'abord mettait en panique dans les forces brésiliennes avec une tentative de frappe à la 59e minute de jeu, même bientôt avec Watkins à la 64e minute de jeu. À tel point que pour avoir une action qui un peu de monde pensait être capable de pénalty sous un Parisien qui c'est Lucas Beraldo qui d'abord déséquilibré Conor Gallagher, mais Abissatral l'impacte siffler penalty à la 71e minute de jeu. Il faut nous dire dans 15 dernières minutes match à football pour algon baisse de régime des deux côtés, mais là pour algon plusieurs entrées qui pour le fait surtout avec des joueurs qui jeunes. Donc a dit bon équipe et anglaise là gain Kobe et Maino. Bien tout pour la sélection brésilienne de football, Hendrick, eh bien c'est lui-même qui pourra et pratiquement marqué eh bien pour la sélection brésilienne de football. Eh bien Hendrick, monsieur lui-même, il retourne simplement 9 minutes
pour lui pratiquement permettre avec Brésil gagner match à football. Henrique, t'es vraiment paraît un bon renard de surface. Eh bien, nouveau joueur Real Madrid là, monsieur lui-même qui d'après est vraiment anticipé sur un ballon qui va repousser par Pickford devant Vinicius Junior. D'ailleurs, c'est Vinicius Junior qui a pratiquement mené action à la 80e minute de jeu en bon renard de surface. Eh bien, monsieur Kelly Hendrick là, lui permet avec la sélection brésilienne de football, eh bien, battre 1-0 et mené aussi à la 80e minute de jeu. Et bien, faut que nous dit Hendrick Lina qui premier goal li dans la sélection brésilienne à seulement 17 ans. Et bien, surtout en Wembley, là, en Angleterre, malgré nous connaissons Angleterre qui a poursuivi match football. Là. Nous capables de dire c'est une grande première qui également réussi pour un sélectionneur brésilien qui c'est Dorival Junior qui a dirigé la première rencontre li avec la sélection brésilienne de football. Bon côté l'Angleterre, il y aura une occasion pour assurer face à l'équipe Belgique là, dans 3 jours, toujours dans le stade Wembley. Et bien là, Mary Cole Hendrick, monsieur lui-même, il était besoin simplement 9 minutes pour lui marquer le premier goal avec le Brésil. Eh bien, à seulement 17 et 246 jours, eh bien, Hendrick, il est venu plus jeune joueur qui marquait pour le Brésil depuis Ronaldo en 1994. Dans l'autre actualité sportive, nous pouvons parler de Jérôme Otten qui parlait sous Kylian Mbappé. Nous connaissons le dossier Kylian Mbappé, monsieur qui était présent avec la sélection française là, en conférence de presse. Et bien Mbappé, monsieur lui-même, il n'est pas capable d'épargner question sur l'avenir. Mais Mbappé dit, il n'est pas capable de décider un rien sur l'avenir, il n'est pas capable d'annoncer un rien aussi. Les poules fait là, la fait. Il y a des journalistes qui ont même posé la question pour dire que est-ce que ça n'a pas dérangé lorsque il rencontre avec Macron, il y a un peu de pression qui a fait. Monsieur dit, journaliste, est-ce que nous avons une performance sur le terrain dans le dernier jour ça yo paraît médiocre. C'est comme ça que Mbappé te répond. Il dit, ben là, ça ne va pas déranger du tout. Mais pendant ce temps, on regarde Jérôme Otten, monsieur lui-même qui retourne sur un sujet ça et il y a plus d'informations. Jérôme Otten dit, Mbappé a signé dans Real Madrid. Je dis, moi pas porté rien de nouveau dans niveau ça. Mais pendant ce temps, Jérôme Otten dit, Mbappé lui a fait annonce lui avant Euro. Il a annoncé le plus tôt possible dès que Paris Saint-Germain ou bien Real Madrid éliminé dans la Ligue des Champions. Monsieur dit tout autant existait une possibilité pour nous Paris Saint-Germain et Real Madrid d'affronter la Ligue des Champions. Eh bien monsieur pourquoi fait aucune déclaration, il n'a pas annoncé rien du tout. C'est comme ça Jérôme Otten li te déclaré concernant Mbappé. Meilleure façon capable de supporter le travail là si vous à peine rejoignez nous, c'est abonner avec channel là. Le fin abonner tout activer la cloche notification, quitter un commentaire, quitter un like et surtout aider nous partager vidéo ça.